savez tout. C'est peu. Et on ne parle peut-être pas de la même April Ryan, mais... C'est elle, c'est sûr. Je ne crois pas aux coïncidences. Et celle-ci serait énorme. Elle essaie peut-être de nous contacter, Charlie. Elle a peut-être besoin de notre aide. Peut-être... Ne t'emballe pas, Emma. On ne sait presque rien. Désolée d'insister, mais... Charlie, vous m'avez promis de me raconter ce qui est arrivé à April. Ouais, ouais, c'est vrai. Elle a disparu de façon très étrange. Le jour où elle a disparu, les corporatistes étaient à ses trousses. Je ne sais pas pourquoi, ils ont pris la maison d'assaut et... Emma s'est fait tirer dessus. Elle a failli y rester. Quant à April, elle a disparu. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. Mais on sait qu'elle s'en est tirée. Elle a été identifiée par des caméras de sécurité en ville. Puis elle a pris une navette pour une station orbitale. Ensuite, on a perdu sa trace. Juste après, il y a eu l'effondrement et... tout a changé. Quand les choses sont revenues à la normale, on s'est d'abord battu pour s'en sortir. Et quand on a enfin lancé les recherches... April n'était plus là, volatilisée. Si elle ne nous avait pas dit tous ces trucs, j'aurais pensé qu'elle avait été victime de l'effondrement, comme tant d'autres. Quel truc ! C'est là que ça se complique. Elle parlait d'un autre monde, une sorte de dimension parallèle magique. On n'y a pas cru. Toi, tu ne l'as pas cru, Charlie. Moi, je n'ai jamais douté. Si tu veux, je ne l'ai pas cru. Je ne suis toujours pas sûr de gober cette histoire, même après l'effondrement. Attendez, April vous a dit qu'elle avait vu une autre dimension ? Pas vu, visité. Un endroit appelé Arcadia. Il y avait ce type. Cortez, un vrai cinglé. Il a dit à April qu'elle avait un genre de don. Le pouvoir de voyager entre les mondes. Et qu'elle était attendue. D'après April, il y aurait deux mondes. Le nôtre et... l'autre, Arcadia. Un monde de magie. Ces mondes entretiendraient un équilibre réciproque. Je n'ai jamais eu de raison de douter d'April. Mais là, même moi, j'étais sceptique. Alors une fois sortie de l'hôpital, j'ai cherché. Et ce qu'elle nous a dit... Elle n'est pas la seule, Zoé. D'autres gens sont allés à Arcadia. C'est réel. Attends, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un cinglé lui a mis ça en tête et... Charlie, fais-moi confiance, tu veux ? Je le sais, je le sens. J'ai fait beaucoup de recherches. Avec de l'argent, on lève le voile sur les plus grands secrets. Désolée, Emma, mais ça paraît un peu... fou, ridicule. Vous croyez peut-être que je ne me suis pas dit la même chose ? Vous aviez quel âge lors de l'effondrement, Zoé ? 9 ans ? 10 ans ? 10 ans. Vous vous en souvenez un peu ? Non, pas vraiment. On vivait à Londres à l'époque et notre sous-section a été fermée pendant plusieurs jours. Mon père voulait me protéger. Je n'ai pas vu grand-chose. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Pour ceux qui l'ont vu, c'est impossible à oublier. Mais certaines choses sont arrivées avant l'effondrement. Des choses étranges comme des rêves qui débordaient sur la réalité. Quand je pense à ce que j'ai vu, à ce que j'ai lu, à ce qu'on m'a raconté, des gens qui n'avaient aucune raison de mentir... Je sais qu'elle a dit la vérité. Je sais qu'elle y est encore. À Arcadia. Ok. Ok. Admettons que vous ayez raison. Ces messages que j'ai reçus. Vous pensez que cet endroit hivernal est le monde dont parlait April ? Arcadia ? Ça ne ressemble pas à Arcadia. Mais qui sait ? La question est plutôt, qui est la petite fille ? Et pourquoi entre-t-elle en contact avec vous ? Après tout, vous ne connaissez pas April Ryan ? Son nom n'évoquait rien pour vous jusqu'à aujourd'hui. Le hasard vous a mené ici. Si vous n'aviez pas trouvé la photo et que vous ne l'aviez pas montrée à Charlie, on n'aurait pas évoqué April. Ça paraît fou, je sais, mais c'est Reza la clé. L'enquête sur laquelle il travaille doit être liée à tout ça. C'est la seule explication plausible. Votre ami, le journaliste, vous ne l'avez toujours pas retrouvé ? Non, mais avec un peu de chance, j'en saurai plus cette nuit. Au fait, Charlie, où est-ce que je peux passer un coup de fil tranquille ? Peut-être que Reza a essayé de me contacter. Je vais l'appeler sur son portable et voir auprès de mon amie Olivia de Casablanca si elle a du neuf. Vous pouvez utiliser un de nos salons privés à l'étage. Le dernier sur la gauche est libre. Merci. Je reviens tout de suite. Salut, c'est Reza. Je suis soit au boulot, soit dans mon lit. Mais dites-moi ce que vous voulez et je vous rappellerai. Merci. Salut, c'est encore moi. Je suis au... J'ai rencontré Charlie et j'ai suivi ta trace jusqu'à l'hôtel. J'ai trouvé ton briquet. Il y avait du sang partout. J'espère que tout va bien, Reza.
Appelle-moi quand t'auras ce message. J'abandonnerai pas, mais dis-moi seulement que tu n'es pas... Dis-moi que tu vas bien. Au revoir. À bientôt. Hé, hey, t'as un salon privé ? Marcus, j'allais justement... Ça tombe bien. Je suis venu avec des amis, elles aimeraient bien te saluer. En privé.